On va passer à la distribution de denrées alimentaires pour les personnes qui sont dans le besoin. On va ramener les denrées devant, on va essayer de s'organiser, c'est vrai qu'on est beaucoup. En tout cas, ceux qui sont dans le besoin, n'hésitez pas, on peut faire deux files, les denrées vont arriver. Et voilà, on va partager voilà, pour ceux qui sont dans le besoin. Amen. Amen, hein? Ok, mais c'est pas fini, après on continue, on est là. Ok, donc ceux qui ont, n'hésitez pas, on va faire avec le protocole, on va faire deux lignes, en tout cas au début, et ensuite on va mettre les affaires ici, et puis il va y avoir une distribution comme ça. Moba, tu peux voir pour amener les denrées. Merci.
ramenez aussi les fournitures scolaires, s'il vous plaît. Et les livrets, les bibles pour enfants. Et les frères et sœurs de la deuxième salle, vous pouvez venir ici pour vous servir, hein, bien sûr. Alors la distribution peut commencer. Les personnes qui souhaitent venir prendre un sac sont les bienvenues devant. Donc vous avez des denrées alimentaires qui ont été préparées, des sacs de denrées.
des sacs de kits scolaires aussi. Et il y a aussi des livrets destinés aux enfants pour leur enseigner la parole. L'objectif de cette distribution, c'est d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc on demandera à chacun de venir et de s'avancer si bien entendu vous êtes dans le besoin. C'est vraiment ça l'objectif. Donc voilà. Est-ce que c'est possible de se mettre en queue, de faire une queue pour que ce soit plus facile en fait la distribution ? Alors vraiment pour précision, hein, pour toutes les personnes qui s'avancent pour prendre un sac, première chose c'est un sac de nourriture. En ce qui concerne les denrées, c'est un sac de denrées par famille. Ensuite, sachez que si vous travaillez et que vous avez les moyens d'acheter à manger, nous vous demandons de ne pas vous avancer parce que c'est vraiment dédié aux familles qui ne peuvent pas joindre les deux bouts et qui n'ont pas suffisamment à manger à la maison. Donc voilà, c'est vraiment important parce que si vous le prenez alors que vous avez les moyens d'acheter à manger devant le Seigneur, c'est une faute puisque vous, dans ce cas, vous empêchez des personnes qui sont, elles, vraiment dans le besoin, dans le sens où elles ne peuvent pas du tout acheter à manger, de pouvoir le faire. Donc c'est, voilà, il faut que chacun soit conscient de ça et puisse donc profiter de la distribution comme le Seigneur le souhaite. Encore une précision pour nous aider dans l'organisation. De ce côté, il s'agit des kits scolaires et des livrets pour enfants. Et de ce côté-là, il s'agit des denrées alimentaires.
Donc je répète, à ma droite, les kits scolaires et les livrets pour enfants. Et à ma gauche, la distribution de denrées alimentaires. Adonai, Adonai, Yoshua, le roi.
Adonai, Yoshua, le roi. Adonai.
Oui, à commencer. Bon, ensuite. Nous t'adorons.
Thank you.